Pouchkine veut qu'on lui rende l'argent. Pas de panique. Nous avons convaincu les Britanniques que Pouchkine était dangereux. Ils vont envoyer leur meilleur élément, James Bond, pour l'éliminer. Non, je suis pas convaincu, moi. Nekros le fera. J'ai travaillé avec les Russes. Mon physique et mes techniques leur sont connues. Cela risque de saboter le combat de mes camarades pour la Révolution mondiale, et ils comptent sur moi. Et sur moi, si je ne m'abuse. Où vos amis trouveraient-ils une aussi vaste vitrine d'armes? Notre plan initial est le meilleur. Ouais. Pouchkine sait, disons les choses, de l'histoire ancienne. Pas tellement, et votre James Bond n'a pas encore touché à notre homme. Les Anglais sont d'un naturel prudent. Ouais. Donnons-lui une raison de plus pour qu'il agisse. Par exemple, un autre agent pourrait être éliminé également. Feu vert. Mais si Pouchkine est encore en vie le dernier jour de la convention, on le supprime. Donnez-moi la clé. La clé. Donnez-la-moi. La clé. Vous ne connaissez pas un autre air? Renverser la vapeur, ça c'est la marche arrière. Préférez-vous que je conduise? Les femmes au volant. La paix. Et prenez-en de la graine. Secouez, mais non agité. Déteste la musique martiale. Comme toujours, Monsieur Bond, vous aviez parfaitement raison. Vous avez deviné juste. Cette boîte contenait la bande réelle de contrôle du satellite, en vérité. Et vous êtes venu à bord en espérant sans doute substituer ceci à la vraie cassette.